told me I'm your anchor. I told you you're my bow. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So if I shake and fall my own, you said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. I'll be your captain. I'll always be your captain. Oh, salut, ça va vous? Ouh, on est fatigué, on a fait plein de trucs, un truc de dingue. Et on n'a pas fini, hein. Mais je vais vous montrer tout ça. Regardez, Yo-Yo, il est en train de remonter les rotules. Les fameuses rotules, on a fait tout hier. Hier soir, on a remonté les barres, vous avez vu en fin de vidéo, on a tout remonté les barres, on les approche à peu près. Et ensuite, j'ai commencé à faire le parallélisme à la ficelle pour vraiment affiner le réglage. Et s'il y a besoin, on ira faire un para. Mais franchement, moi, avec cette méthode-là, j'arrive vraiment à faire des bons paras. À plusieurs reprises, je l'ai fait. J'ai emmené ma voiture au para et j'avais vraiment... Ouais, c'est charlatan. Ouais, avec Charlotte, on fait ça. Souvent, j'ai même pas d'erreur, quoi. Enfin bref, très très peu. Donc là, il n'y a pas de raison, ça va le faire. Donc il a remonté le rotule, là, ça y est. On va remonter l'autre côté après. Bon, bah là, c'est Yo qui fait tout. Lui, il s'arrête plus. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Lui, c'est un malade, ce mec. Hein. Et je vais aller vous faire voir le bordel qu'il y a à l'intérieur parce qu'on a commencé à vider les caravanes. Et ben, je vais vous montrer tout ça, quoi. Ah, bah, c'est ça quand il y a déménagement. Hein. Regardez. On est en train de tout remplir les coffres. Les coffres en haut, là, sont pas finis. Ici, c'est quasiment fini, j'ai commencé à coller les rails, mais on a trouvé que des rails d'un mètre, ils en avaient pas beaucoup, donc bah voilà, faut qu'on attende qu'ils les commandent pour qu'on puisse finir de mettre les rails et qu'on puisse faire nos portes. Mais bon, cela dit, les fonds, ils sont faits, et c'est déjà bien. Donc alors ça, c'est des panneaux que j'avais gardés, c'est de la moquette revêtue, enfin c'est de la moquette qui est fixée sur, vous savez, des panneaux genre bakélite, là, c'est ça, bakélite qu'on dit. Là, c'est normal aussi, on avait des petits défauts. Donc, j'ai mis comme ça, la réglette est bien droite. Et ensuite, je vais venir bourrer avec de la colle PU pour que ce soit bien droit. Et il y aura une cornière alu qui viendra tout fignoler, faire une belle finition. Donc, voilà, ça donne ça. On a des grands meubles ici. Franchement, c'est top. C'est excellent. Regardez tout ce qu'on a. Tac, 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 avec plein de renforts. On en a là-bas. On a fait un petit coffrage ici pour la hotte. Vous voyez. Là, on a fait un meuble. Chouchou, tu peux faire une démo du meuble du haut. Ça va être le meuble où on va ranger nos mugs et tout ça. Trop bien, regardez. Nos mugs perso, hein, pas les mugs de la boîte. Ouais, nos mugs pour nos petits chocolats le matin. Hop, vous avez la petite porte qui se glisse. Bon, elle va un peu dans le vide là-bas, mais il y a une butée. Et voilà, c'est ce qu'on a trouvé de plus pratique. Et puis là, on a le meuble qui est fini. Et pareil, ici, on a encore tous des meubles. Donc pour ranger tout ce qui est à faire, qui prennent pas beaucoup, qui ne prennent pas beaucoup de place. Ouais, là-bas, on aura un petit peu de vaisselle. Ici, on aura toute la partie où je me sers pour faire mes montages et tout, donc ça va être vraiment chouette. Donc voilà ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a fait quoi d'autre aussi? Si, si, attends, on a fait plein de trucs.
avec Jeff, on a branché la prise extérieure. La jauge, regardez la jauge, ça y est, elle fonctionne. On en a reçu une nouvelle et H2R Equipement nous ont remboursé l'ancienne parce que elle était cassée. On appuie sur le petit bouton et on voit ce qui nous reste. On peut laisser allumer, mais moi je préfère l'éteindre. Voilà, comme ça on regarde que quand on a besoin. Et en fait ici, voilà, maintenant ici, si on branche dehors, on a du courant qui rentre. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, c'est le soir, il est peut-être 20h, là on est à 100%, il y a encore 111 watts qui rentrent dans les panneaux, mais bon, comme on est à 100%, il n'y a pas beaucoup qui rentrent. Ensuite, je vais vous faire voir dans les soutes. Oh t'es déjà là, toi? Il s'arrête plus, lui. Donc voilà, ici, Jeff, il m'a mis une petite prise, voilà, enfin deux prises, voilà, comme ça on a un branchement ici, on en a deux de l'autre côté, et j'en avais mis deux par là aussi, donc ça nous fait en tout cas, ça nous fait 6 prises, dans les soutes. Ici, on a le compresseur qui est branché. Là-bas, je vais aller vous faire voir la prise extérieure. Au passage, j'ai oublié de vous montrer ce qu'il avait fait comme boulot, Patrick. Regardez Patrick, le roi du mastic. Hop, il a fait une petite retouche ici. Il a fait une retouche en bas. Et la retouche du haut. Vous voyez que c'était tout pourri ici, vous vous souvenez. Regardez maintenant, c'est nickel. Voilà, ça, je devais vous le faire voir. J'ai refixé ma grille là-bas aussi de filtraire, je l'ai recollé. Et en fait, la prise, elle est là. Parce que comme il n'y a que des parois qui sont amovibles, les soutes, les ailes, elles s'enlèvent, c'était pas évident, donc on a décidé de faire comme ça. Vous voyez, on a le fil qui est ici, la prise elle rentre, et puis on peut se brancher là, voilà, à l'extérieur, et c'est relié directement au convertisseur. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de boulot de fait, la mine de rien. Je vais aller vous faire voir les caravanes, le bordel et tout. En 6 mois, on ne se rend pas compte, mais on en a mis du bordel. Hein. Pop, c'est dingue. Regardez, on est en train de tout préparer là pour manger et tout. Cool. Hein? Regardez, c'est pas mal. Hein? Et voilà, les caravanes sont quasiment prêtes. Faut encore qu'on les vide un petit peu à l'intérieur. Voilà, elles sont prêtes à partir. Donc celle-là va servir pour Fred et Carava Fred avec sa chaîne YouTube qui vit en caravane. Donc ça lui fera une deuxième caravane. Ça nous fait vraiment plaisir de lui offrir. Et puis ça, c'est pour une fille. C'est pour qui ça, chouchou? Voilà. Donc celle-là, c'est pour une fille qui part en études et qui va être en galère de logement tout l'hiver, ouais, c'est ça? Tout simplement. Une année, je pense. Toute une année. Années, ouais, enfin bref, ça lui servira le temps que ça lui servira. Mais voilà, en tout cas, ces deux caravanes-là vont servir à des gens qui en ont besoin. Et puis la caravane de Charlotte, pour l'instant, on la garde. Voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle journée de bricole. Parce que là, on a bien travaillé. On va faire un bon petit repas entre amis. Et ça va être pas mal. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Bisous. Salut à tous. Bon ben voilà, ça fait un petit peu de remue-ménage hier ce qu'on a fait. Du coup, on a attrapé un rat. Les enfants, ils ont attrapé un rat. Parce qu'en fait, vous avez vu, j'ai fait un appât éternel. J'ai mis une petite boîte de conserve pliée avec des noix de cajou, des cacahuètes, des noisettes. Et ils peuvent pas aller dedans en fait. Du coup, ça les énerve. Ils essayent d'y aller et puis hop, ils se font prendre dans le piège. Et là, on va aller le... Arrête. Là, on va aller le libérer avec les enfants. Parce qu'on les tue pas. Moi, je les tue pas les rats. J'aime pas ça. Hein, Jeff, il veut le tuer aussi, mais j'ai dit non, on le tue pas. Ah non, moi j'ai rien. Regarde-le. Non, tout le monde a le droit de vivre. Hein. Ouais, exactement. Donc on va aller le... Faut le plomber. Mais bon... On va... même Déborah. Faut séparer les torchons et les serviettes quand même. On va aller le libérer dans notre petit spot à rats. Je vais faire voir aux enfants comment je fais. Hein, là, il y a qu'un bois. Hein, allez, c'est parti. Alors, c'est un mal, vous avez regardé s'il y avait une paire de valises ou pas? Non, il y a un zizou. Il a la même que toi. Ah, ça m'étonnerait. Moi, la mienne, elle fait la taille du rat. Il a pas voulu me la mienne, elle fait la taille du rat. Pas vrai, Monique? Non, moi, je pense que c'est une fille parce que elle a pas voulu me faire la bise, maintenant. La gueule. Elle fait la gueule. Elle fait la gueule. Non, elle est terrorisée, là. On va aller la relâcher. Ah ouais, c'est une femelle. Il n'y a pas de valise. Voilà notre petit spot à rats que vous connaissez bien, les bandits. Hein. Alors. Ah non, je reste dedans. Détache, si jamais il nous attaque. Si jamais il rentre dans la bagnole, je descends. Alors, on va avancer un petit peu la cage. Comme ça. Ouais. Normalement, il devrait sauter et filer tout droit. Tu bouges pas. C'est dans le champ. Non, tu l'enlèves complètement. Voilà. Allez!
Bon, bah, il est parti dans ce sens-là. Maintenant, tu fermes la porte parce que j'ai pas envie qu'il rentre dedans, vive. Ferme. Il est parti où, tu crois? Ça se trouve, il s'est raccroché sous la voiture comme un ninja. Tu l'as vu partir, toi? Ben non. Attends, ouvre pas la porte. Mais il est où? Je sais pas. Et là, on va rouler, on va l'écraser. Non, arrête tes conneries. Bah non. Je sais que tu l'as fait, il est parti comme ça. Oui, ouais. Il est parti dessous. Mais on l'a pas vu ressortir. Regardez bien. Non. Bon, il a dû repartir direct dans le fossé, on l'a pas vu. T'entends? Vas-y, t'entends le bruit? C'est lui qui queen? Je sais pas. Vas-y, vas-y, ferme la porte, il va rentrer dans la voiture! Ferme la porte! Ah! C'est lui qui queenait! T'as entendu? Mais c'est attaché à nous déjà! On est trop fort. Allez, file! Pour y t'écraser quand même! On va pas faire tout ça pour t'écraser! T'as fait imiter le chat, non? Je vais mettre un grand coup d'accélérateur et puis c'est bon, hein? Non? Hein? Allez! Allez, attention! 1, 2, 3. Oh! Alors? Non, mais il y a longtemps qu'il est parti. Hein. Ah oui, il est parti. Ouais. Bon, bah voilà, un rat libéré de plus. Bon, on a fait du boulot, on a fait du boulot, un truc de dingue. Je vais vous montrer tout ça après. Mais là, on va remonter tout ce qui est roue. Yo-Yo, il a remonté tout ce qui était rotulé et tout hier. On a laissé desserrer pour qu'on puisse les régler. On va faire un parallélisme à la ficelle. Pour commencer à régler au plus juste, et s'il faut, on fera faire un parallélisme par la suite. Mais si ça se fait bien, il y a moyen d'être réglé pile poil et il n'y a même pas besoin de refaire de parallélisme. Voilà, donc je fais un petit timelapse, regardez, j'ai branché la petite GoPro, hop, comme ça à l'arrache, bien cadré, et on va faire tout ça en timelapse, ok? Allez, c'est parti! Bon alors, je vous remonte bien comment on fait notre réglage de parallélisme à la ficelle. Voilà, c'est ma méthode. Il y en a, ils vont dire, oui, c'est pas bien. Bah oui, mais moi, je le fais quand même. Et voilà, donc je vous la montre quand même. Je vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vous montre ma méthode. Regardez. Donc en fait, on est venu à l'arrière. On a perdu un bout de bois. Il va falloir qu'on refasse. Mince. Ça, c'est ton gamin qui est venu, je suis sûr. En fait, on a les roues qui rentrent un petit peu dans la carrosserie. Donc on est venu mettre des cales de combien? 8 cm? Non, on est à 7 cm, ok? Ensuite, Johan, il est venu tendre là-bas sur une barre. Il est venu tendre et puis à un moment donné, c'est venu comme ça, ras du morceau de bois. Vous voyez, il n'y a aucune résistance. Vous voyez? Voilà, donc ici, je suis bien aligné. Une fois qu'il était bien tendu et qu'il était comme ça, hop, il a stabilisé son piquet. Là, on est bien partout, d'accord? Et ensuite, on vient devant, tout simplement, avec un mètre. Faut que la ficelle elle soit super bien tendue. Et merci. Voilà. Et puis là, en fait, on mesure au même endroit. Vous voyez ici, j'ai 11,9. Et là, j'ai 10,9.
C'est-à-dire qu'ici, il faut que ça revienne un tout... Non, ici, il faut que ça parte un tout petit peu. Il faut que je lui donne du pincement. Quand ça rentre vers l'intérieur, on donne du pincement, si je ne dis pas de bêtises. Et quand ça sort vers l'extérieur, on lui donne de l'ouverture. Donc là, on va lui donner un petit peu de pincement pour qu'on ait exactement pareil ici et ici. En plus, on contrôle aussi au niveau des jantes, parce que les pneus, c'est peut-être pas fiable. Donc, on contrôle au niveau des jantes, voir si on a la même distance au niveau des jantes, le même écart. Et si on fait tout ça bien, normalement, on est bon. Donc là, moi, je vais mettre en dessous, je vais tourner la barre de direction. Et puis, Yo-Yo, il va me dire, vas-y, encore un millimètre, tac, tac. Et c'est lui qui va tout régler à l'œil, pile poil, sans toucher la ficelle. Et normalement, on est bon. Voilà. Et ça, je l'ai fait déjà deux fois. Enfin, je l'ai fait énormément de fois. Mais il y a deux fois, je l'ai fait sur ma Xara où je faisais de la piste. Je l'avais fait à la ficelle et je l'avais emmené. J'étais quasiment bon partout. Et je l'ai fait sur Flash, tout simplement. Le gars, il m'a dit, bah, j'ai quasiment rien fait. Donc, ça fonctionne bien. Il faut bien prendre son temps. Et voilà. Il faut que ce soit exactement. Il faut que ce soit. Mettons, là, c'est Yo-Yo qui prend les cotes. Il faut que ce soit lui qui prenne les cotes ici et de l'autre côté. On va pas inverser parce qu'on prend pas les cotes pareil, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment lui qui va me guider et me dire si on est bon ou pas. Voilà. Que dire de plus? C'est pas mal. On a fait encore énormément de boulot. Regardez ce qu'il a fait, Jeff. Il m'a monté des petites lumières ici. Donc j'en ai quatre dans toutes les soutes. Ça, c'est vraiment bien. Il m'a remonté des prises de l'autre côté. On a mis un programmateur sur le groupe, sur le compresseur. Parce que des fois, il s'allume la nuit, en fait. Je sais pas pourquoi. Donc on a remis... On a mis un petit programmateur comme ça, au moins il ne s'allume pas la nuit. Ça évite, mais on l'entend pas beaucoup, mais ça évite qu'il tourne la nuit, ça sert à rien, quoi. Voilà, je vais vous faire voir ce qu'on a fait d'autre aussi. Voilà, Jeff, c'est lui. On a fait quoi? On a fait les lumières, on a fini les meubles. Hein, bah et toi, t'as fait quoi par un gâteau au chocolat? Bien sûr aussi, absolument, il faut que le volant soit droit. Donc là, Jeff, il va venir tout à l'heure pour vraiment être sûr qu'il bouge pas quand on va faire le réglage sur la barre de direction. J'ai pas de... Normalement, dans les garages, il le bloque, le volant. Mais là, moi, j'ai rien pour le bloquer, donc c'est Jeff qui va vraiment vérifier. On va faire ça à trois, en fait. Voilà. Donc, on a tout déménagé, les deux caravanes. Les deux caravanes, ça y est, elles sont vides. On a mis un petit peu de bazar partout. Il nous reste les portes à faire, mais elles sont pas faites pour l'instant. Parce qu'honnêtement, là, on patauge. On essaie de trouver de la place partout, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Qu'est-ce que t'as fait toi Yo-Yo? Il a fait la porte, il s'est bien embêté, regardez. Oh la bassine, on va mettre ça, voilà. Voilà, il nous a fait une isolation de la porte et il a revêtu tout ça de contreplaqué. Et puis là on a la petite trappe avec l'aération basse. Ensuite, on avait ici un cliquet, mais qui servait uniquement à déverrouiller la porte de l'intérieur. On ne pouvait pas verrouiller de l'intérieur, donc c'était un peu chiant. Donc il a refait un petit système en direct. Voilà, on peut verrouiller ou déverrouiller. Voilà, c'est pas mal. Hein, tout isolé en stéréo dur. Je vais aller vous faire voir aussi ce que Jeff il a fait. Regardez. Alors ici, il est venu me remettre des moulures. Parce qu'en fait, on avait la télé qui était branchée là et j'y avais pas pensé, ça faisait un peu crado. Donc en fait, ici derrière, vous avez deux prises et là, vous avez deux prises. Il y a une multiprise qui part ici, que je vais bien refixer, et qui arrive là. Parce que là, on va avoir des chargeurs d'appareils photo, chargeurs de lampes. On aura besoin d'avoir de l'électricité. Donc on est reparti sur ce principe-là, c'est la multiprise qu'on avait dans la caravane. Ensuite, il est venu fixer les supports de brosse à dents. Donc ça c'est nickel, je vais pouvoir me brosser les dents avec une brosse à dents électrique, ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas tourné. Ça, je suis trop content. Il a remis aussi les prises hautes, regardez, tac. On a deux prises hautes, c'est ce qu'on avait oublié aussi, puis il est reparti avec une petite moulure pour alimenter la hotte aspirante, qui fonctionne super bien, regardez. On a mis un petit champignon là-haut, ça y est, c'est fait, c'est monté, tac, et il a remis aussi deux prises ici, voilà. Donc en tout, dans le car, on a environ, on n'a pas loin de, ouais, on approche les 35-40 prises. Hein, ouais, plus de 40 prises, on a, avec les soutes. Donc on est super content. Voilà, maintenant, il faut qu'on arrive à prendre un peu nos marques. Et puis finir un petit peu les rangements à droite à gauche. C'est vrai que c'est pas facile. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et on se retrouve dimanche pour le live. Dimanche soir, comme d'habitude, 19h. Donc je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, à dimanche, bye bye.